On parle beaucoup de concurrence loyale ou déloyale. Il est en effet scandaleux d'importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires que les nôtres. Alors il faut pousser le raisonnement beaucoup plus loin. Faut-il baisser nos normes sanitaires pour pouvoir tolérer l'importation des autres? Ou au contraire, faut-il pousser l'interdiction de ce qui n'est pas fait chez nous à d'autres domaines que les normes sanitaires? Peut-on laisser, par exemple, importer des produits qui sont fabriqués dans des conditions de travail, dans des conditions de droit social, de droit de la santé qui ne sont pas les nôtres. À ce rythme-là, on pourrait difficilement importer la plupart des produits qu'on importe aujourd'hui qui constituent la source du pouvoir d'achat des uns et des autres. Donc il faut fixer des normes, mais pas se contenter seulement de choisir celles qu'on veut et aller au bout. Et avoir une société digne, c'est une société dans laquelle on ne peut consommer que des produits fabriqués dignement pour le producteur et pour le consommateur.